Hey, What's Up TV! Bonne quarantaine tout le monde! On vient d'avoir un package. Random stuff. Des trucs pour... L'Omega. Pour être sûr de ne pas manquer d'Omega 3. Omega Joy, ça l'aide... Étant donné qu'on est pris en dedans, ça l'aide un peu le mood à rester pris en dedans, à se sentir un peu mieux. La terre pour les orchidées. Et ça, c'est Abine pour un apaiseur naturel. Parce que des fois, Ezekiel, j'ébine, parce que des fois, Ezekiel, il se sent un petit peu anxieux le soir quand il doit dormir. Donc, on va essayer ça. C'est naturel et c'est ça. T'aimes ça, toi, recommandé d'Amazon? Ouh. On essaie de sortir le moins possible, donc tout est là. Et de l'équipement. C'est de l'équipement à maman et à papa. C'est de la terre pour mes orchidées parce que je vais transplanter mon orchidée dans un plus gros pot. Oui, ben on a besoin d'aller dehors. On a besoin d'aller dehors, ça? Oui. Ah oui. Ouais, maman l'a brisé la lumière. Ceux qui me suivent sur Instagram savent. Hein? Fait que aujourd'hui, on fait un shooting photo pour une super de belle entreprise. Les enfants étaient bien contents quand j'ai dit ça, Ezekiel, ils capotaient. Avec une compagnie qui fournit des cahiers coloriés, des crayons. Est-ce que vous savez deviner quelle marque c'est? Oh, si vous jouez aux espions? Ah, ça c'est Elsa qui lance la glace. Hein. C'est ça? Oui. Hey, bon. Il va se tirer dans la face. Pas de voir, on le met. Hey, c'est sérieux, c'est pas fin. Il y a ma balle. C'est parce qu'il reste juste une balle, puis quand je vois qu'il tire, il faut qu'il aille la chercher. Donc, même papa. Et au dessin, dessiner oui. Une princesse. Ça, je leur ai dit que c'était pour un contrat, on dit pas c'est quelle compagnie. Ah non, devinez. Vous autres les enfants, aimez-vous ça? Là, regardez, c'est les mess free. Donc hein, vous savez ce qui se passe avec Mariana souvent? Qu'est-ce que tu fais Mariana toi, souvent? Oui! C'est tellement beau. J'ai mis ça dans des glaces de même. Il faut pas que ça tombe, j'ai fait un X avec... Je fais un X avec le... Allez, comme ça. Ça. Puis là, ça les tient par un de même. Parce que là, il est pas plein. Et regardez! Ça, c'est du beau travail de maman, hein? Ça, maman, elle a tout organisé ça. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, ben vous avez pas vu ça. Étant donné qu'Ezekiel fait l'école à la maison, on devait avoir une partie genre bricolage. Puis même Mariana va plus à la garderie, fait qu'on s'est comme organisé. Puis j'ai emmené ce que j'avais en bas dans la salle de jeu, dans le coin bricolage, en haut, en dessous de mon îlot. Fait que comme ça, c'est proche, hein. Et si vous avez besoin de tips, j'ai tout serré ça dedans des contenants en verre comme ça, mais même. Donc ça, rempli de crayons, crayons de tir. Ici, ils ont leur petite machine comme ça de crayola encore. Les pinceaux, papier comme ça, les effaces. Et là, ils ont leur peinture, Play-Doh, les trucs, genre ça, c'est pour les lettres aimantées à S, fait que ça va lui apprendre ses lettres. Ici, des petites affaires que j'ai pris chez Dollarama, des petits crafts, des petits trucs comme ça. Ici, c'est des trucs aussi encore là pour faire du bricolage, fait que c'est pas mal tout trié de même. Et ici, les mess free qu'on adore, et je les ai mis comme ça, puis ils savent qu'ils ont pas le droit de les ouvrir, c'est un à la fois. Puis tout ça, c'est tout linké sur notre page Amazon, ça aussi, fait que ouais, on a une page Amazon de famille avec tous les produits qu'on prend de là, c'est ça, c'est facile à comprendre. Organize with Prish. Prish? Prish. C'est réponse. C'est réponse? Donc notre journée ressemble pas mal à ça, moi je vais cuisiner un potage. Il y a un jambe qui n'a pas de bouchon. C'est moi. Wouh! Tantôt, on va faire une marche. Tantôt, on va aller prendre une marche. Mais c'est pas le droit. Bon. Mais moi, c'est pas le droit. Non, on a le droit de prendre une marche. Mais...
On peut pas voir les autres mondes? Non. Faut garder une distance sociale d'au moins 2 mètres. Donc là, on a fini le shooting et je suis en train de réorganiser toutes mes épices. Ça, c'est les enfants qui jouent dehors avec Anne. Et je voulais juste vous montrer de quoi ça a l'air parce que c'est comme tellement satisfaisant. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux affaires d'organisation. Je suis partie là-dedans étant donné qu'on est en quarantaine tout le monde. J'en profite pour faire du classage, du ménage, de l'organisation que j'ai jamais le temps de faire ou que je prends jamais le temps de faire. Parce que je priorise d'autres choses. Allô, Ez? Voyons, je te vois pas. Tu fais du vélo en avant? Une marche. Donc, ça a l'air pas mal de ça jusqu'à maintenant. Et je suis en amour avec ce que ça donne. Regardez comment c'est satisfaisant. Tout est étiqueté. Ici, j'ai mis, dans le fond, mettons, je sais pas moi, de la coriandre. Donc, il est écrit coriandre ici et il est écrit coriandre en noir là. Donc, ça va bien dans les deux manières quand je cuisine. Tout. Et j'ai aussi... je trouve ça le fun que ça soit transparent comme ça. En tout cas, je trouve ça vraiment satisfaisant. Donc, c'est cool, hein, ce petit tiroir-là. Bon, chewy. Donc, voilà. Et là, c'est ma petite station. Je fais ça là. C'est ça. Et je regarde un vlog d'une random fille que je viens de trouver sur YouTube. Elle est en quarantaine. Puis je regarde ça, donc... Et il y a le souper qui est en train de cuire dans le four. On mange de la tourtière ce soir. Non mais sérieusement, moi je suis sorti. Ah, ça fait du bien, je suis dehors. Je suis sorti de la maison. Ah, que ça fait tellement du bien d'être sorti de la maison. Incroyable. Mais inquiétez-vous pas, je suis pas sorti pour rien et je suis sorti seul. Alors j'ai suivi les procédures qu'il faut être, quand on sort de la maison, il faut être le moins de personnes possible. Et c'est ça, j'avais pas le choix vraiment de sortir. Il faut que j'aille faire des dépôts de chèques. Et je sais qu'il y a certains endroits qu'on peut scanner les chèques, on peut les prendre en photo pour les avoir à la banque. Mais avec nos corporations, nos Inc, faut que j'aille certains, il y a certains chèques qu'il faut que j'aille, j'ai pas le choix, il faut que j'aille les déposer comme à la banque, à la caisse populaire. Et c'est ce que je vais aller faire, mais à Trois-Rivières, on a quelques banques comme ça, caisses, services à l'auto. Donc, je vais pouvoir rester dans ma voiture et pas sortir comme ça, vraiment appliquer le plus possible l'isolation, la distance sociale, distanciation sociale. Alors, je vais pouvoir déposer à l'auto. Fait que c'est ça, mais ça fait vraiment du bien de sortir de la maison un peu, là, se promener en auto. Mais c'est tranquille, c'est vrai que c'est tranquille. Puis si vous êtes comme ma femme, moi ça me dérange pas tant, mais ma femme est très... Ça la perturbe beaucoup de voir plein de magasins, plein de stationnements comme ça, avec aucune auto, vraiment tranquille. Je sais pas si vous êtes... Il y en a parmi vous qui sont comme Priscilla. Mais c'est vrai que c'est spécial de voir des magasins comme Winners, par exemple. Je suis devant le HomeSense Winners. Et il y a personne. Fait que c'est vrai que c'est spécial. On sort pas pour rien. La preuve, c'est que j'ai attendu d'avoir plusieurs chèques que j'ai pas le choix d'aller déposer directement pour y aller. Je voulais y attendre que ça valle la peine. Et là, j'en ai amené plusieurs. Tu sais, quand vous allez à un stationnement, il faut prendre un papier ou payer par carte de crédit à l'auto. Puis là, vous êtes pas assez proche. Fait que là, vous devez ouvrir la porte pour... C'est du plat, ça. Hein? Alors, on essaie d'éviter ça le plus possible. Bon. On prend les précautions. Ben, faut que j'ouvre la porte. Et vous savez que je suis quelqu'un qui essaie toujours de voir le bon côté des choses.
C'est assez exceptionnel de avoir fait le plein de mon camion et que ça me coûte 64 et 71. C'est assez exceptionnel, très exceptionnel de voir que le montant que ça m'a coûté était moins haut que le nombre de litres que j'ai mis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Hey, en passant, j'ai le goût de savoir qui a trouvé l'essence le plus basse au Québec. Et en France, je suis curieux de savoir vous payez votre essence combien en ce moment, puis est-ce qu'il y a une différence, puis si oui, à quel point. Puis au Québec, c'est ça, là, je veux savoir, est-ce que vous avez vu plus bas que ça, 86 sous, si oui, où? Je vais y aller! Mais non. Et là, je viens de revenir à la maison, évidemment, je vais mettre mon Purell. Bon, et là, c'est sûr qu'il faut pas perdre du temps sur la route et faire barista pour sortir, mais vous savez, j'ai pris toutes les précautions et je me suis dit, je vais amener un petit quelque chose à la famille. Je suis allé chercher un petit café glacé de chez Tim à ma poulette et des beignes aux mini-eggs pour les enfants. C'est quoi? C'est quoi? C'est des beignes aux eggs. Mini-eggs. Allez-vous laver les mains. Allez-vous laver les mains. Alors c'est tout pour aujourd'hui tout le monde, on se voit samedi matin 9h30. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et faire un like! Bye tout le monde! Attends. Quoi? Demain on va montrer le film des Avengers. Non. On prend pas ça. Don't look back, I wanna show you the wonders of the universe, girl.